Merci, merci beaucoup. Et consoeurs et confrères, j'ai le grand plaisir de vous transmettre la salutation de solidarité de la plus grande organisation démocratique du Canada et de ses 3,3 millions de membres, le Congrès du travail du Canada. Consoeurs et confrères, notre mouvement syndical subit de graves attaques de la part du gouvernement conservateur. Pour commencer, le gouvernement a présenté le projet de loi 377, un projet de la loi rétrograde visant à nuire financièrement au syndicat. Nous sommes maintenant confrontés au projet de loi 525 d'initiative parlementaire, un projet de loi antidémocratique qui rend obligatoire les votes d'accréditation en vertu du Code canadien du travail et qui permet aux votes, aux non-votants d'avoir le contrôle sur ceux qui votent. Les conservateurs ont ensuite dissimulé des dangereuses modifications au Code canadien du travail dans le projet de loi C4, le soi-disant plan d'action économique. Le gouvernement met en péril la vie des travailleurs et des travailleuses en limitant le droit de refuser un travail dangereux. Une décision unilatérale prise sans consultation préavis sur une loi qui pourrait causer la mort de travailleurs et travailleuses. Les conservateurs sont également servis du projet de loi C4 pour compromettre les négociations collectives au fédéral en décidant unilatéralement quels seraient les services publics essentiels et en modifiant le processus d'arbitrage, encore une fois en cachette pour en éviter tout débat. Et nous savons que les conservateurs ont l'intention d'aller encore plus loin s'ils peuvent remettre en question les cotisations syndicales pour déstabiliser financièrement le mouvement syndical. Les consoeurs et confrères, nous devons établir un dialogue permanent avec le grand public et avec nos membres sur l'importance des syndicats dans notre société. Et consoeurs et confrères, c'est maintenant que notre solidarité va être mise au défi. Cette solidarité qui est l'origine du mouvement syndical. Et nous savons que grâce à elle, les syndicats ont pour surmonter tous les défis et toutes les crises. Merci.